On se retrouve du coup pour discuter des nouveaux défis de la semaine 3 du pass de combat de la saison 3. Alors du coup, on va parler rapidement d'un défi tout simple, c'est atterrir sur différentes cibles. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, c'est tout simplement toutes ces cibles qui brillent sur votre écran. Il suffit d'y aller. Il n'y a rien de trop compliqué là-dessus. Vous y allez, vous faites votre game. Si vous mourrez, eh bien, c'est terminé. Vous validez une étape supplémentaire. Donc voilà, c'est un défi tout simple. On a aussi la carte au trésor de Snobby Shores que je vais vous montrer juste après. Mais on va juste aller valider du coup un petit spot d'atterrissage histoire de vous montrer que c'est bien celui-ci qu'il faut. Alors bon, essayez d'atterrir vraiment pile dessus histoire de valider le truc, ne pas soyez pas à côté. Vous avez une petite animation en plus qui vous indiquera tout simplement que vous avez réussi votre coup. Ok, ensuite je vais rapidement vous montrer la carte au trésor de Snobby Shores. Alors vous pouvez directement aller au trésor sans avoir besoin, mais vous voyez qu'il y a deux collines avec deux sapins et une petite croix. Et en réalité, les deux sapins sont juste là, donc on va y aller. Et puis on va valider cette quête tout simplement. Et du coup voilà, on arrive près des deux sapins situés entre ces deux montagnes au sud-ouest de Pleasant Park. Comme d'habitude, pour les trésors, il suffit d'aller s'y caler et puis on va avoir le trésor qui devrait apparaître comme ça, tout simplement. Et il suffit de le récupérer. Et surtout, n'oubliez pas de finir la partie, sinon celle-ci, l'étape de validation ne sera pas validé. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez en avoir encore une autre la semaine prochaine dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis ciao les bandits !